Alors, je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir parmi nous Christian Maroubi. C'est l'occasion idéale de vous faire découvrir à Montpellier un des lecteurs les plus subtils d'Adam Smith, le célèbre pape du libéralisme. Et c'est une autre manière de dire que je dois beaucoup dans mes propres livres aux ouvrages de Maroubi. Alors, quelques mots pour le présenter personnellement. Comme Régis l'a rappelé, l'essentiel de sa carrière intellectuelle s'est déroulé aux États-Unis. D'abord comme étudiant à Berkeley, où il a notamment été marqué par l'influence de la critique psychanalytique de Léo Bersani. Je dis ça parce qu'il a traduit les ouvrages de Léo Bersani, ou du moins certains de ses ouvrages, en français. Et puis maintenant comme professeur à l'université du Mills College d'Oakland, en Californie, où il enseigne à présent donc le français et la critique littéraire. Mais s'il est là ce soir, c'est parce que ses livres et ses études portent sur un sujet un peu différent. Disons que depuis des années, Christian Maroubi travaille sur la naissance de l'anthropologie moderne, si l'on veut, entre le XVIe siècle et la philosophie des Lumières, et notamment sur le rôle capital que la découverte des populations du Nouveau Monde, aussi bien les Indiens du Brésil que les Indiens d'Amérique du Nord, ont joué sur la formation de cette anthropologie et par conséquent sur notre philosophie politique moderne. Tout le monde se rappelle ici, à travers le lycée, les débats sur le mythe du bon sauvage, c'est comme ça qu'on l'appelle ici en France, entre les différents philosophes des Lumières. C'était déjà ce thème, l'objet du premier livre de Christian Maroubi, qui était paru en 1990 et qui s'appelait « Utopie et primitivisme, essai sur l'imaginaire anthropologique à l'âge classique ». Mais pour moi, c'est avant tout l'auteur d'un essai vraiment magistral, alors où l'érudition se mêle à la clarté et l'intelligence. Alors là, vraiment, je lance des fleurs, mais je les pense. Et qui est paru en 2004, qui s'appelle « L'économie de la nature ». C'est un essai qui est consacré donc, c'est le sous-titre, à l'anthropologie de la croissance dans l'œuvre d'Adam Smith. Bon, alors je rappelle brièvement qui était Adam Smith. C'est ce génial penseur de la philosophie des Lumières écossaise. On ne doit jamais oublier que le capitalisme est né au sein de la philosophie des Lumières. C'est une pensée liée à la philosophie des Lumières. Un penseur d'ailleurs si complexe, et vous verrez que Maroubi rend justice à cette complexité, que Serge Latouche, un des grands théoriciens de la décroissance, avait fini par se demander si on ne devrait pas parler plutôt de Dr. Adam et Mr. Smith. Vous verrez que c'est un très, très... Le fameux Adam Smith problème est quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Et qui est le fondateur d'une discipline qui est extrêmement étrange et qu'on appelle l'économie politique. Vous voyez donc son immense responsabilité intellectuelle, puisque cette étrange discipline, une fois qu'on l'a parée du nom de science, c'est essentiellement fait au XIXe siècle, est devenue la véritable religion des sociétés modernes. Vous le savez, c'est le premier à le constater chaque jour. Alors une religion terrible, puisqu'elle exige chaque jour de nouveaux sacrifices des êtres humains que nous sommes. Et vous en connaissez les grands prêtres qui passent chaque soir en boucle sur les écrans de vos télévisions afin de vous expliquer en long et en large tout ce qu'ils n'avaient pas su prévoir la veille. Bon. Adam Smith est... à l'origine de cette discipline curieuse. Et donc, vous comprenez que les recherches de Christian Maroubi, elles n'ont pas simplement un intérêt historique et universitaire. En reconstituant la genèse de l'idée de croissance, c'est-à-dire l'idée clé de toutes les politiques économiques modernes, c'est bien aussi de notre présent que Maroubi va nous parler. Et j'éclaire un instant ce point avant de lui laisser la parole, pour bien mesurer l'enjeu qu'il y a à parler d'Adam Smith de nos jours. Alors, dans une de ses formules pédagogiques dont il avait le secret, George Bush Jr., c'était, je crois, à Silver Spring en février 2002, a dit un jour, alors la formule, elle est limpide, elle est belle, « La croissance n'est pas le problème, elle est la solution ». Vraiment. Alors, cette tranquille affirmation à laquelle, de nos jours, presque tous les gouvernements du monde souscriraient, ceux-là qui soient de droite ou de gauche, du reste, deux des grandes institutions du capitalisme, le FMI et l'OCDE, sont tenues par des Français, membres du Parti socialiste. Donc le clivage n'y passe pas ici. Une telle affirmation, la croissance, c'est pas le problème, devrait pourtant nous inquiéter. Parce que,
comme le montrera Maroubi, l'idée de croissance est tout sauf évidente. D'une part, pour des raisons de type scientifique, il y reviendra beaucoup, chacun comprend que l'idée d'une croissance matérielle infinie ne peut avoir aucun sens dans un monde fini, c'est-à-dire sur une planète dont les ressources sont par définition épuisables et limitées. Autrement dit, tôt ou tard, l'idée d'une croissance exponentielle finira par se briser sur un mur écologique. Mais aussi et surtout pour des raisons de type philosophique. Dans la mesure où vous savez que le concept de croissance, tel qu'il est défini par les économistes, exclut par définition toute interrogation sur le sens et la valeur de ce que nous sommes amenés à produire. C'est comme ça qu'on travaille quand on calcule le PIB. Tandis si, par exemple, vous aidez bénévolement une personne âgée, ou si vous rendez service à vos amis ou vos voisins, ou si même vous cultivez un petit potager pour votre usage personnel et familial, dites-vous bien que du point de vue de la science économique, vous n'avez rien fait, du moins rien d'utile, puisque de toute façon, il n'y a eu aucun échange marchand, aucune transaction financière. Votre rapport à la croissance est nul. Mais imaginons en revanche qu'une entreprise soit sollicitée par une collectivité locale pour creuser des trous le matin et les boucher l'après-midi. Il y a des entreprises qui ne sont pas loin de ce genre d'activité. Eh bien, du point de vue de la science économique, on dira qu'elles sont créatrices de richesses et d'emplois et qu'à ce titre, elles contribuent à la croissance du PIB. Alors qu'un postulat aux conséquences si absurdes, si contre-intuitives, comme disent les philosophes, soit devenu le principal fondement philosophique de toutes les politiques modernes, en dit long sur la capacité réelle de nos élites, soit à réfléchir au-delà du court terme ou du moins au-delà du cercle de leurs intérêts égoïstes immédiats. Alors on comprend l'intérêt maintenant de la question posée par Christian au début de son livre. Comment, écrit-il, l'idée de croissance est-elle devenue un lieu commun ? Par quelle révolution dans l'histoire des idées en est-elle venue à s'imposer dans la modernité et presque universellement, non seulement comme un bien en soi, mais comme un phénomène naturel? Je laisse donc maintenant à Christian Maroubi le soin de répondre philosophiquement à George Bush en de montrer à sa manière que la croissance, avant d'être une solution, est d'abord un problème. Alors je vous remercie et je reviendrai tout à l'heure. Alors merci Jean-Claude Michéa. Vous allez me dire, parce que c'est quand même très important que la communication passe, si vous m'entendez bien comme ça, c'est clair, très bien, parce que je... Merci beaucoup Jean-Claude Michéa pour cette introduction très généreuse, trop généreuse, ainsi que à Régis Penalva, les organisateurs de cette série, et puis vous-même d'être venu ce soir. Je veux dire, je suis très impressionné par le nombre de personnes qui s'intéressent à ces sujets. Impressionné, vous allez vous en rendre compte assez vite, mais j'espère que je serai à la hauteur. Alors, je voudrais, dans un premier temps, puisque ça ne va jamais correspondre exactement à ce que Jean-Claude Michéa a annoncé, ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est essayer de défamiliariser une petite histoire. Vous savez sûrement, défamiliariser, le terme est un peu lourd. C'est plutôt un concept qui appartient à la critique littéraire ou esthétique. Dans d'autres langues européennes, il y a des mots plus positifs pour dire ça. Rendre étrange, j'aime bien. Et c'était dans le train en venant. Je me disais, c'est quand même dommage que le mot étranger, qui ressemble à s'y méprendre à un infinitif, ne puisse pas être utilisé comme verbe. Alors, pour une fois, si vous voulez bien me permettre, je voudrais essayer d'étranger. C'est un privilège de demi-étranger, là. Cette histoire qui, en effet, est devenue si familière, qui est si communément partagée que tout le monde la connaît plus ou moins par cœur dans les grandes lignes. Elle commence plus ou moins comme ça. Nos ancêtres vivaient de la chasse et de la pêche. Quand
Pendant combien de temps? Ça dépend. Je ne suis pas sûr. Et puis, et déjà, ici, pour continuer l'histoire, nous avons besoin de faire œuvre d'imagination. C'est ce que les penseurs des Lumières écossaises ont appelé les premiers l'histoire conjecturale, oui, alors qu'en France, à la même époque, on parlait d'histoire raisonnée. Il s'agit des Lumières, évidemment. Alors donc, conjecturons. Un jour, pourquoi, je ne sais pas, une petite gazelle orpheline se trouve recueillie dans un campement. Quelqu'un s'apitoie, pense qu'on pourrait peut-être la garder sur place, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'elle peut être apprivoisée. Oui. Plus tard, sans doute, on apprend qu'elle pourrait être reproduite avec d'autres gazelles. La gazelle est probablement un très mauvais exemple, parce que je ne pense pas qu'elle soit apprivoisable, et c'est une question importante, évidemment. Mais bon. Donc, on apprend à domestiquer les animaux, et maintenant, nous pouvons passer à la deuxième étape de notre petite histoire. Nos ancêtres devinrent bergers ou pasteurs. Ils vécurent de l'élevage. Deuxième étape, donc. Plus tard, combien plus tard ? Bonne question. Grâce sans doute à la sédentarisation relativement plus importante que permet l'élevage, alors nous avons nos ancêtres qui jettent négligemment quelques graines des fruits sauvages qu'ils mangent, et puis ils se rendent compte un jour que certaines poussent peut-être mieux que d'autres, ils apprennent à les sélectionner et puis à les planter délibérément. Nos ancêtres devinrent cultivateurs ou agriculteurs. Troisième étape. Mais bientôt, grâce à l'agriculture, c'est bien connu et vrai, une concentration de population beaucoup plus forte devient possible, et par conséquent, pour la première fois, si nous étions sur un mode pédagogique ou interactif, à ce moment-là, je vous demanderai après quoi, à ce moment-là. En fait, je vous mettrai en petit groupe, là, comme j'ai plutôt l'habitude de faire, mais bon, nous allons laisser pour le moment en suspens cette question de qu'est-ce qui se passe après le troisième stade. Et j'interromps le fil narratif pour le moment, hein, pour insister ou nous arrêter sur une première évidence. Cette petite histoire est en fait un des grands récits de la modernité. C'est en fait, je voudrais suggérer, la matrice ou le modèle de tous les grands récits qui structurent notre univers mental. Car si les peuples traditionnels ou dits primitifs ont des mythes, en particulier des mythes des origines, nous, dans la modernité, avons des grands récits, ce qu'on a appelé grands récits, anthropologiques, bien sûr, sociologiques, philosophiques. Alors, certainement, de nombreux exemples vous viendront à l'esprit de ces grands récits qui sont devenus célèbres. Même si, quand je dis matrice, hein, même si les étapes de ces récits peuvent être conçues très différemment, sur d'autres bases, aussi différentes que chez Auguste Comte ou Hegel, nous avons des spécialistes de Hegel, ou même si les étapes sont aussi nombreuses que chez Condorcet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y en a 10, hein, 10 périodes chez Condorcet. Cette filiation de ma petite histoire est une discussion que nous ne pourrons pas avoir, mais qui serait
très intéressante, hein, de voir les transformations, les modifications, etc. Je me limite pour l'instant à ce qui est essentiel pour la suite. Sous la forme classique qui va nous intéresser ici, c'est-à-dire la forme scientifique que cette histoire prend à l'époque des Lumières, puisque c'est une loi sociologique qui va être énoncée, le récit générique est plus ou moins exactement le suivant. En fait, je vais répéter la même chose, mais de façon un peu plus formelle. La loi, tous les peuples de la Terre, passés ou présents, passent nécessairement, ou bien sont déjà passés, ou passeront un jour, toujours dans le même ordre, par les quatre mêmes étapes successives, définies selon le mode de subsistance sur lequel elles se basent. Alors, dans la version que j'appellerais classique du XVIIIe siècle, premier stade, l'âge des chasseurs. Bien sûr, aujourd'hui, nous dirions le stade des chasseurs-cueilleurs ou plus exactement de la collecte et de la chasse. Il y a beaucoup à dire sur cette différence. Mais... deuxième stade, l'âge des bergers ou des pasteurs. Là, j'utilise le vocabulaire du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le pastoralisme ou l'élevage. Troisième stade, la culture des terres. Alors, au XVIIIe siècle, cette théorie présuppose pour l'agriculture la domestication des animaux. Vous remarquez qu'il y a élevage et puis agriculture. Parce que au XVIIIe siècle, on ne peut pas imaginer une agriculture qui ne soit pas basée de différentes manières sur l'emploi d'animaux de trait et aussi sur le fumier. Ce sont des détails qui ont leur importance. En tout cas, ce que nous appelons l'agriculture. Et quatrième et dernier stade, nous sommes toujours au XVIIIe siècle, le commerce. Vous attendiez peut-être autre chose. Si vous pensez que nous allons en reparler, vous avez raison. Mais pour le moment, je nous arrête, encore une fois, parce que je ne vais pas arrêter l'histoire, pour essayer de nous laisser le temps de rendre compte quel accomplissement intellectuel, quel monument intellectuel cette petite histoire, maintenant devenue une loi sociologique, représente dans la pensée occidentale. Et évidemment, et d'abord, que ce qui est devenu pour nous presque naturalisé, une évidence, non seulement on n'avait rien d'évident, mais était en fait rigoureusement impensé et impensable avant précisément cette période qui va se situer au milieu du XVIIIe siècle. Alors bien sûr, dans l'histoire des idées, il n'y a rien jamais de nouveau complètement sous le soleil. Cette histoire a des antécédents. Elle a même toute une généalogie qui passe par plusieurs étapes. Et alors là, je reconnais, puisque un certain nombre de... au cours de cette conférence, je vais vous donner quelques-unes de mes références, peut-être parmi lesquelles il y en a que vous connaissez moins que d'autres, puisque c'est l'Agora des savoirs, donc on partage, je pense. Donc, à ma connaissance, le premier penseur qui a reconnu l'importance de cette théorie, de ce modèle, et en a fait la généalogie, il s'appelle Ronald Meek, M-E-E-K, qui était un historien des théories économiques, originellement de Nouvelle-Zélande, établi en Angleterre à Glasgow. Et alors, dans plusieurs ouvrages, mais surtout dans un ouvrage que j'ai recherché, il n'a pas été traduit, qui s'appelle alors Social Science and the Ignoble Savage. Donc, Social Science,
la science sociale, on dit plutôt en français sciences humaines, les sciences humaines, et l'ignoble sauvage. Pour comprendre ignoble, hein, il faut savoir, on a fait une référence au bon sauvage, là où dans la tradition française on parle du bon sauvage, dans la tradition anglaise on parle du noble sauvage. Hein, je ne sais pas si vous saviez ça. Il y a d'ailleurs une différence culturelle probablement intéressante sur laquelle je n'ai même pas réfléchi, mais bon, si on devait donc traduire, ce serait quelque chose comme les sciences humaines et le mauvais sauvage. Donc, c'est donc dans ce livre que Ronald Meek a le premier intitulé ce modèle, cette petite histoire, la théorie des quatre stades, puisqu'en effet, il y en a quatre, hein, et en a fait la généalogie. Alors, cette généalogie, que je ne vais pas faire complètement maintenant, elle a des origines lointaines dans l'Antiquité. Elle est bien sûr impossible, inconcevable, sans la découverte européenne du Nouveau Monde, hein, qui est une étape clé pour comprendre la construction de ce modèle. Et notamment, elle passe par cette formule révélatrice, saisissante, si belle d'une certaine façon, du philosophe John Locke, bien sûr John Locke, un des inventeurs des Lumières anglais, et donc pour situer dans le temps, hein, fin du XVIIe siècle. Et John Locke dit, « In the beginning, all the world was America. » Alors, ça vaut le coup de le. Hein? In the beginning, au commencement, ce sont les premiers mots de la Genèse, repris dans l'évangile de Saint Jean, en grec, hein? Exprès, bien sûr, que, évidemment, toute personne de langue anglaise au XVIIe siècle, l'écho est immédiat, hein? Parce que c'est la traduction canonique dans ce qu'on appelle la Bible du roi James, the Saint James, King James Bible. Donc, au commencement, tout le monde entier, était l'Amérique. Comme on le voit, c'est une formule encore transitionnelle, incomplète, préliminaire, hein, encore un modèle est en gestation là. Quelque chose comme un modèle universel est reconnu, et en effet l'Amérique, c'est très important, va devenir l'exemplaire du premier stade. En fait, au XVIIIe siècle, l'Amérique est le seul exemple du premier stade. Hein, il ne connaissait aucun autre peuple qui soit réellement des chasseurs-cueilleurs, et en réalité, en fait, il ne connaissait aucun chasseur-cueilleur, même en Amérique, ce qui est, bon, ça crée d'autres complications très intéressantes. Mais, très incomplet, bien sûr, il manque non seulement la suggestion des stades successifs, hein, la théorie ici, je crois que j'ai sauté quelque chose, oui, non seulement il manque la théorie des stades successifs, mais il manque la dimension essentielle pour pouvoir développer une théorie des stades, à savoir le temps. La formule de Locke, hormis, à part « in the beginning », est encore entièrement une métaphore spatiale, géographique. Pour qu'une théorie des stades devienne possible, il faut qu'un redéploiement, un réarrangement épistémologique plus fondamental ait eu lieu. Un réarrangement épistémologique préalable dans l'ordre de la pensée, même s'il n'a pas eu lieu avant, même s'il est contemporain à cette pensée, c'est-à-dire le passage de la dimension spatiale à une dimension temporelle conçue comme universelle.
hein, le passage de la géographie à l'histoire. Et ici, une autre référence que peut-être certaines d'entre vous connaissent, mais que ce n'est que récemment pour moi que j'ai découvert son importance. Un théoricien de l'histoire allemand, Reinhard Koselleck, qui parle du passage de des histoires, il y a des histoires jusqu'à cette même période, hein, il y a des histoires spécifiques, l'invention de l'histoire au singulier, qui est contemporaine de cette invention du temps universel. En effet, avant, la diversité des peuples du monde, leurs différences d'organisation sociale, leur degré de civilisation avaient toujours été représentés, distribués dans l'espace d'une géographie. Depuis l'Antiquité, et l'Antiquité ne connaît qu'une opposition binaire entre barbares et civilisés. Dans l'Antiquité, le degré de civilisation est toujours une fonction de la distance entre différents peuples et ce qui est considéré comme le centre. Le centre étant évidemment la civilisation grecque qui construit ce discours. Et ceci, chez Hérodote, en dépit du titre par lequel nous connaissons Hérodote, les histoires, en réalité, ce n'est même pas le titre, c'est un titre, j'ai oublié, mais c'est un titre beaucoup plus long et complexe, certainement quelqu'un doit le savoir. Mais bon, chez Hérodote, comme chez Strabon ou comme chez Pline, il s'agit d'espace et pas de temps. Et je n'ai pas besoin de rappeler que le bouleversement provoqué par la découverte de l'Amérique, qui introduit une nouvelle opposition, cette fois-ci entre sauvage et civilisé, est avant tout un réarrangement dans l'espace, dans la géographie du monde. Pour arriver à une théorie de progression stadiale, je ne sais pas si l'adjectif existe, il faut, pour nous il existera, il faut basculer dans la dimension désormais souveraine du temps. C'est le grand tournant épistémologique de la modernité qui tout à la fois rend possible et est inauguré par la théorie de progression universelle par stade de développement social. Vous connaissez, je ne sais pas si l'écho est immédiat, un tel redéploiement encore plus célèbre, beaucoup plus célèbre, cette fois au XIXe siècle, qui est bien sûr celui de Darwin. Darwin réarticule la grande chaîne des êtres, donnée synchroniquement dans le même temps, donnée de tout temps par la création, réarticule la grande chaîne des êtres dans l'espace, dans la dimension d'un temps universel. Ce qui est frappant, c'est que le modèle dont je parle, cette théorie des quatre stades, dans le domaine du social, ce redéploiement a déjà été pensé pratiquement 100 ans avant Darwin, puisqu'on est au milieu du XVIIIe siècle. En un sens, une façon de penser ce redéploiement, et ceci je dois, alors encore une fois, mais quelques références plus ou moins connues, à l'historien anglais John Pocock. Encore une fois, je n'ai pas moyen de savoir, là, il n'y a pas de réponse, donc un historien très important, et en particulier qui développe cette idée dans une série de livres sur la barbarie et la religion. Donc, la théorie des quatre stades combine l'opposition antique entre barbarie et civilisation et la nouvelle opposition de la Renaissance entre sauvage et civilisation. Remarquez que barbare, dans les barbares de l'Antiquité, ne nous disait rien sur leur mode de subsistance ou pas grand-chose. Ils pouvaient être chasseurs, pastoralistes ou même agricoles, les anciens germains, etc. Alors, avec la nouvelle catégorie de sauvages,
sauvage va précéder barbare, qui par là même devient soit le stade de l'élevage, soit un stade proto-agricole. Et on commence à avoir les trois premiers stades qui sont mis en place. Résultat, ainsi, tous les peuples chasseurs ou pastoralistes, jamais observés, qu'ils aient disparu depuis longtemps ou qu'ils soient encore bien vivants dans le présent, par exemple les Scythes ou les Parthes de l'Antiquité, mais comme les nomades d'Arabie à l'époque ou les Hottentots d'Afrique du Sud, qui sont donnés très souvent en exemple au XVIIIe siècle, tous ces peuples se trouvent également relégués au passé de l'humanité, oui, réassignés à la préhistoire. Ils ne sont déjà plus présents, malgré leur présence dans le monde. Alors, bien sûr, on critique souvent ce modèle comme étant ethnocentrique, et évidemment, tout autant que le modèle de l'Antiquité, qui était géocentrique, il est tout entier tourné vers la civilisation qui en représente l'apogée, à savoir la nôtre, et qui est bien sûr celle qui formule la théorie. Mais je crois qu'il faudrait tout autant, puisqu'on parle du passage d'espace en temps, sur son caractère que j'appellerais télique, oui, télique, le télos, la flèche et la cible, oui, ou même chronolâtre, c'est-à-dire fondé sur une sorte de culte du temps et du progrès que, bien sûr, nous partageons toujours. C'est le premier aspect du développement de cette nouvelle théorie. Mais tout aussi évident, sinon immédiatement perceptible, oui, une théorie stadiale, une théorie des stades, ne doit pas seulement être dans le temps, mais elle doit être discontinue. Chaque stade, en effet, est conçu comme plus ou moins stable, statique, précisément, pouvant durer des milliers, voire des millions d'années. C'est le premier paradoxe, oui, le paradoxe de cette théorie universelle tout entière vouée au temps et au temps progressif est que la plupart du temps, il ne se passe rien. Chaque stade est en quelque sorte un arrêt du temps, une stagnation. C'est que tout repose dans une telle théorie sur la discontinuité, oui, sur ce qui se passe dans le passage ou la transition d'un stade à l'autre. Et en effet, dans une théorie stadiale, toute la question est de pouvoir expliquer la discontinuité. Pourquoi, en premier lieu, l'histoire s'est-elle mise en marche? C'est la question des origines, in the beginning. Oui. Et ensuite, comment, par quelle nécessité ou par quelle logique passe-t-on d'un stade au suivant? La plus célèbre des explications de la discontinuité, sous la forme reprise par la modernité, est sans doute, et bien sûr, la dialectique, un modèle de l'Antiquité, repris bien sûr par la philosophie de Hegel, qui est une théorie stadiale, une théorie de progression par stade. A contrario, juste pour donner à penser, beaucoup plus près de nous, il est bien connu que quand Michel Foucault élaborera sa propre théorie stadiale, puisque c'est une théorie des stades aussi, la séquence des épistémés, ce sera fameusement en refusant la dialectique, oui, en éludant toute causalité, toute nécessité dans le passage d'un stade à l'autre, il n'y aura plus qu'une discontinuité à l'état pur. C'est le contraire du sens de l'histoire,
du sens de l'histoire hegélien, comme il convient à une histoire postmoderne. Mais, je regarde où j'en suis, vous allez me dire, tout ceci est relativement intéressant, peut-être un peu abstrait, mais je croyais que vous alliez parler d'économie. Mais je ne fais que ça, depuis le début. Hein? Car, il faut maintenant le dire, les deux premiers penseurs à formuler sous sa forme complète et explicite la théorie des quatre stades, dont je parlais plus haut. Il est difficile de parler d'auteur d'une théorie. Vous vous souvenez peut-être, Foucault avait fameusement avancé « fondateur de discursivité ». Donc, les deux premiers à avoir inventé cette théorie stadiale, presque au même moment, ne sont autres que Turgot, en France, et Adam Smith, le revoilà, en Écosse. Hein, c'est-à-dire les deux penseurs qui allaient introduire, quelques années plus tard, les premières grandes sommes fondatrices de la théorie économique moderne. Et dans les deux cas, la théorie stadiale, théorie des stades, formulée en premier, entre la théorie stadiale et le système économique, il y a une continuité absolue. En fait, c'est la même théorie. Hein, il n'y a pas simple continuité, mais identité, la théorie économique reposant sur la théorie stadiale. Et il faut dire que ni Turgot ni Adam Smith ne sont économistes au sens moderne, même si tous deux participent à inventer l'économie. Car, et ceci vous l'avez sûrement remarqué, chacun des stades de la théorie classique sont définis par le mode de subsistance sur lequel chacun repose, hein, par ce qu'on appellera plus tard son mode de production spécifique, dans le vocabulaire marxiste, la base ou infrastructure. Oui, c'est ce qui définit, et c'est ça la différence entre certaines autres théories stadiales et celles de Turgot et Smith, c'est qu'elle est basée sur des stades que nous appellerons économiques. Et c'est en ceci qu'elle se distingue radicalement d'antécédents auxquels on peut penser immédiatement, tel Vico, très célèbre, la science nouvelle de Vico, ou l'histoire universelle de Bossuet, que, évidemment, alors Bossuet, fin du XVIIe siècle, j'ai raison, oui, que, évidemment, Turgot, étudiant Sorbonnard en théologie, avait assimilé, hein, puisqu'il faisait ses études pour devenir prêtre. La différence étant, bien sûr, que la théorie des stades de Smith et de Turgot est une explication fondamentalement matérialiste de l'histoire. C'est une définition des stades selon le mode de subsistance qui permet au peuple de vivre, contrairement au modèle précédent. Et en ce sens, évidemment, elle est déjà un antécédent des stades de Marx. Dans la théorie classique, que je vais maintenant appeler classique, hein, la chasse, comme on l'a vu, l'élevage, l'agriculture et finalement le commerce. Vous pourriez peut-être vous demander pourquoi Marx, je vais aller vite là parce que pourquoi Marx n'a pas davantage reconnu cette filiation ou cet héritage. Alors,
en partie parce que peut-être Marx avait quelquefois du mal à reconnaître ses dettes, particulièrement vis-à-vis des penseurs qu'il considérait comme idéalistes. Mais il faut dire qu'il y a une autre raison, c'est que dans le cas d'Adam Smith, l'ouvrage ou la série de textes dans laquelle il a élaboré cette théorie n'a été connu qu'au XXe siècle. C'est le cours de jurisprudence qui nous est parvenu seulement par des notes d'étudiants, comme d'ailleurs c'est arrivé avec le cours de linguistique générale de Saussure, que Saussure n'a jamais écrit. Alors, dans ce cas-là, donc, Marx n'aurait pas pu, c'est quand même une bonne excuse, il n'aurait pas pu connaître l'ouvrage dans lequel Smith développe le plus à fond cette théorie des quatre stades. Dans le cas de Turgot, je ne suis pas certain, Marx respectait les physiocrates, il les connaissait, je ne sais pas. Alors, ayant maintenant reconnu ce lien essentiel entre théorie anthropologique, la théorie des stades de développement est une théorie anthropologique, et pensée économique, nous pouvons revenir plus précisément sur la question de la discontinuité. Qu'est-ce qui nécessite, chez Turgot, comme chez Smith, le passage d'un stade à l'autre? La réponse, encore anthropologique, mais déjà presque ou carrément ontologique, c'est-à-dire qui a à voir avec l'essence dans laquelle on pense l'humanité, réside dans une conception fondamentale de l'homme, de l'homo, comme dans un état de manque, ou ce qu'on pourrait appeler une précarité originelle, la condition originelle de l'humain comme précaire. Donc, on a là une ontologie du manque, c'est-à-dire du manque comme condition essentielle et originelle de l'humanité. Nous sommes essentiellement en manque. Bon, je me suis rendu compte de ça. Si vous entendez un écho lacanien dans une telle formulation, je pense que vous n'avez pas tort, mais je dois dire aussi que c'est un écho qui ne m'est venu qu'après. Autrement dit, je n'étais pas en train de faire du lacanisme en pensant à ça, mais en même temps, je crois qu'une explication de l'histoire, d'ailleurs, je ne veux pas me lancer plus loin que ça, mais Lacan était un lecteur de Hegel, si je comprends bien. Et donc, c'est pas du tout un hasard. Cette prémisse du manque originel est le plus évident dans la conception du premier stade. Le premier stade, c'est le stade sauvage de la chasse et de la pêche. Un stade naturellement si précaire qu'il est conceptualisé par Smith comme originellement dysfonctionnel. C'est-à-dire qui ne peut pas marcher. Comme une condition originelle qui a à peine pu exister et à laquelle l'humanité n'a pu survivre qu'en s'en sortant. Si on peut jouer sur une langue un peu. Pour s'en sortir, pour survivre, il faut s'en sortir, donc progresser au stade suivant. Cette conception du premier stade comme précarité originelle est donc ce qui explique, ce qui rend nécessaire le passage au stade suivant. Mais, bien sûr, c'est aussi ce qui précipite depuis l'origine, depuis le début de l'humanité, ça c'est la version smithienne de la chute, ce qui précipite l'humanité ontologiquement dans le mode de la rareté, c'est-à-dire la condition même d'une pensée en termes d'économie, puisque la rareté, comme vous le savez, est la base même de toute valeur économique. Il n'y a de valeur économique que pour les choses rares, c'est-à-dire qui n'existent pas en quantité infinie.
les exemples de Adam Smith célèbres sont l'eau, qui est très nécessaire à la vie, qui pourtant ne vaut rien à son époque, parce qu'il y en a autant qu'on veut, et puis l'or, qui ne sert à rien, mais qui a une grande valeur. C'est une opposition classique. Grâce ou par la malédiction de cette précarité originelle, il y a donc, depuis le début, équation entre homo economicus et homo tout court. Aussi va-t-on voir, en suivant la séquence des stades, ce mode fondationnel du manque, le manque originel, se perpétuer depuis l'origine de stade en stade, même si chacun des stades successifs devient relativement moins précaire. Oui, puisqu'il est relativement plus productif. Il n'en hérite pas moins de la logique du manque qui est son fondement anthropologique. Alors, je surveille ma montre. Dans mon travail sur Smith, c'est surtout sur cette précarité fondationnelle que j'ai insisté. Et c'est peut-être une fascination des origines qui est la déformation professionnelle de la pensée anthropologique, oui. En particulier sur tous les problèmes auxquels Smith est malgré lui confronté, puisqu'il cherche empiriquement à appuyer sa théorie sur des observations que nous appellerions ethnologiques. C'est aussi dans ce sens que Smith, pour cette question, est plus intéressant que Turgot, qui élude toutes ces questions empiriques. Il y a une sorte de foi dans le progrès chez Turgot qui est extraordinaire, si bien qu'il n'y a pas de problème chez Turgot, on pourrait dire. Il y en a d'autres, mais pas celui-là. Alors que Smith, qui est d'une honnêteté désarmante et qui veut faire œuvre empirique, alors on a peut-être aussi une différence entre un Anglais ou un Britannique, c'est l'opposition est classique, oui, les Britanniques sont censés être plus empiriques que les Français. Il veut se baser sur une ethnographie de l'époque, et dans ce travail de justification ou de preuve, il se trouve confronté à toutes sortes de problèmes, parce que précisément, enfin, je crois qu'ici, il vaudrait mieux que je saute certains de ces détails qui sont fascinants, mais enfin, bon, par exemple, pourquoi, si ce stade, ce premier stade en particulier, est si précaire, pourquoi a-t-il pu durer si longtemps ? Puisqu'effectivement, le premier stade de la chasse est celui qui a duré, ça dépend comment on compte, mais peut-être millions d'années. Hein, et un des chapitres de Smith, il est si candide qu'il a même un chapitre qui s'intitule pratiquement comme ça. Hein. Comment le premier stade a-t-il pu durer si longtemps, puisqu'il était à peine fonctionnel, hein, souvenez-vous. De même, la confrontation désarmante au témoignage. Alors, on peut discuter sur la valeur des témoignages, mais enfin, c'est très fréquent dans ce qu'on peut considérer comme l'ethnologie de l'époque, d'avoir une description de tous ces peuples sauvages comme ne passant toute la journée à ne rien faire. Oui. Alors, comment concilier la thèse de la précarité originelle, c'est-à-dire qu'on est à la limite de la survie, et en même temps, d'affirmer en même temps, logiquement, qu'ils passent leur temps à ne rien faire. Oui. En France, on connaît mieux la pensée équivalente contemporaine de Rousseau, avec lequel vous voyez qu'il y a un contraste fondamental. Rousseau, pardon, étant l'autre candidat possible à l'invention de la théorie stadiale, même si sa version, la version de Rousseau, que vous connaissez peut-être mieux que celle de Smith, est incomplète, très idiosyncratique, hein, puisque si on compte l'état de nature chez Rousseau, ça fait 3 stades. Donc, ils sont en décalage par rapport à la théorie classique. Et puis aussi, c'est assez connu, Rousseau ne fait qu'un du passage
à l'agriculture, il ne parle même pas de l'élevage. Hein. Élevage, agriculture et métallurgie sont fondus ensemble, en quelque sorte, chez Rousseau. Mais l'important, c'est que pour Rousseau, c'est la question inverse qui se pose. Hein. Dans un état original d'abondance, pourquoi l'humanité aurait-elle jamais voulu quitter l'état de nature, sinon par accident, à la suite d'une catastrophe ou au moins dans des circonstances exceptionnelles? Et si on en croit ce que nous pensons savoir aujourd'hui, des débuts de l'agriculture, puisque le début de l'agriculture serait le passage au deuxième ou au troisième stade, hein, par exemple, telles qu'elles sont exposées dans... par Jared Diamond, et alors là, si j'ai un livre à recommander, Jared, J-A-R-E-D, Diamond, comme un diamant en anglais, en français, De l'inégalité des sociétés, le titre anglais est complètement différent, Guns, Germs and Steel, c'est-à-dire les canons, les microbes et l'acier. Je recommande. C'est plutôt Rousseau qui avait raison, oui, puisque le passage au deuxième stade a été dans l'histoire de l'humanité, telle qu'on peut la reconstituer, un événement exceptionnel, l'agriculture n'ayant été inventée que peut-être dans trois endroits différents dans le monde, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Bon, ces questions sont dans le détail fascinantes, au moins pour moi. Et bon, on pourrait aller jusqu'au bout dessus, mais à insister sur la question des origines, sur le premier stade, on risque en effet d'oublier ce que cette théorie a de plus déterminant pour nous. D'ailleurs, c'était également vrai pour Turgot comme pour Smith, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier stade qui les intéressait en premier lieu, oui. Ce qui compte le plus, pour nous, ce n'est pas tant, évidemment, le premier stade que le dernier, et pour la bonne raison que nous y sommes encore. C'est drôle parce que j'ai mis un moment à me rendre compte de ça, mais pourquoi tu t'intéresses tellement au premier stade? Le plus important, c'est le dernier. Hein, et pourquoi y sommes-nous encore? Oui. Pourquoi est-ce le dernier stade? J'ai insisté déjà sur la notion de discontinuité. Et alors, pour paraphraser, suis tenté de paraphraser la SNCF en disant une discontinuité, attention, une discontinuité peut en cacher une autre. Car vous l'avez sûrement remarqué, entre les trois premiers stades de la théorie classique et le quatrième, discrètement dissimulé dans cette discontinuité, oui, dans ce qui semble être une répétition structurelle à l'identique, une discontinuité plus radicale est apparue. Hein, les trois premiers stades sont bien des modes de subsistance, de production matérielle, mais le quatrième, le commerce, puisque c'est réellement comme ça qu'il est défini, n'est pas de la même nature. Si nous avions poursuivi l'expérience, mes petits groupes du début, si vous aviez continué l'histoire, vous auriez probablement, et là je ne peux pas vous attribuer cette pensée que je ne sais pas, mais quelque chose comme, quel est le stade suivant? Bon, l'industrie, la technologie, voire... la thermodynamique, je ne sais pas, aujourd'hui, l'âge de l'information. Mais ce n'est pas ça que Smith et Turgot ont dit. Et il n'y a pas erreur de leur part, il n'y a pas erreur conceptuelle. Hein. C'est bien le commerce qu'ils avaient à l'esprit. Le commerce, en effet, n'est pas un mode de production matérielle comme les autres, mais un mode d'échange. C'est un mode nouveau de prolifération, en fait, de reproduction des richesses. Et vous remarquez également que le mot de richesse est central dans le titre des grandes
somme de nos deux penseurs, hein, enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations et réflexion sur la formation et la distribution des richesses. Le commerce est un stade où la richesse a acquis la capacité de s'auto-générer, de se multiplier d'elle-même indéfiniment. Ce stade économique, c'est évidemment ce que nous appelons le capitalisme. Et je veux bien dire au sens large. Avec son pouvoir presque magique de libérer la richesse de la production matérielle elle-même, et par là même de rendre la richesse potentiellement infinie. Alors le deuxième paradoxe de cette théorie, résolument matérialiste de l'histoire, est qu'elle finit par dématérialiser l'économie et par transcender la logique du manque sur laquelle elle était fondée. Et c'est bien là le sens de la dernière discontinuité, le passage du troisième au quatrième stade, et ce qui permet rétrospectivement d'expliquer les discontinuités précédentes. Si les trois premiers stades doivent être dépassés, c'est précisément parce qu'ils étaient limités dans leur capacité de production. De moins en moins limités, mais néanmoins fondamentalement conçus comme limités. Pourquoi ? Justement parce que c'était des stades matériels. Oui ? Le dernier stade, au contraire, est conçu comme un dépassement des limites, un dépassement de la limitation elle-même. Et c'est ce qui fait que c'est bien, en effet, le dernier stade. Alors, nous avons les deux, l'ambiguïté de dernier. Hein ? Il y a deux sens à dernier. Oui ? Non pas juste le dernier en date, jusqu'à présent, oui ? Non pas juste, alors, une autre hypothèse, par manque d'imagination, simplement, de la part de Turgot ou de Smith ou de tous les faiseurs de théories stadiales qui ont toujours tendance à penser que le dernier stade, c'est le leur. Après tout, c'est une faiblesse bien humaine. Non, le dernier stade de la théorie économique classique est bien conçu comme devant être le dernier. C'est vraiment le stade final parce que c'est un stade infini. Alors, entendons-nous bien, ceci ne veut pas dire qu'Adam Smith, Turgot c'est moins net, mais Adam Smith n'envisage pas un moment futur où les possibilités d'investissement et d'accumulation du capital pourraient atteindre des limites. Il parle des limites du sol, du climat. Et pour cette raison, Smith est souvent classé avec les pessimistes de la théorie classique économiste. Et en tout cas, dans l'histoire économique, qui suit très vite, chaque fois que l'attention se portera sur les facteurs matériels de production des richesses, sur la terre elle-même, comme chez Ricardo, sur le rapport entre population et ressources, comme chez Malthus, bien sûr, on reviendra à un discours des limites. Ce que je veux dire, c'est que par sa conception même, le dernier stade ne peut se perpétuer que si les limites sont indéfiniment repoussées. S'il est donc éternellement, perpétuellement en augmentation, en expansion constante. Le stade final, dans sa conception même, est condamné à la croissance. Le mot de croissance, son, en anglais moderne, growth, du verbe to grow, ne sont pas employés dans ce sens, hein, ni par Turgot, ni par Smith, mais le concept est tout à fait explicite. Et alors ici, Smith fait, par rapport au, pour mesurer la croissance, le degré de croissance, oui, une nouvelle distinction à laquelle nous devrions prêter attention, c'est très intéressant, non plus maintenant entre les quatre stades économiques, de développement économique, mais entre trois états possibles de l'économie. Alors, stade, c'est stage, et état, c'est state.
Hein? L'état progressif, l'état stationnaire, l'état déclinant. Alors nous dirions croissance ou croissance positive, ou croissance nulle, croissance degré zéro, ou croissance négative, en anglais negative growth, qui est évidemment une contradiction, puisque une croissance négative, ce n'est pas une croissance. Hein. Et, mais il est intéressant de remarquer comme ça que l'anglais n'a pas de terme pour décroissance. Alors ça veut dire qu'on est mal parti. Hein. Peut-être. En tout cas, il est tout à fait clair hein, que pour Smith, seul l'état progressif peut être un état heureux, un état satisfaisant, un état viable. Il n'y a pas d'autre mode pour le dernier stade que d'être ce qu'il appelle progressif, c'est-à-dire en croissance. Hein. La vie est dure, dit-il, dans l'état stationnaire, elle est misérable dans le déclinant, et il résume dans la dernière phrase de ce passage assez célèbre, l'état progressif est en réalité l'état jovial et cordial, l'état stationnaire est morne, dull, l'état déclinant, mélancolique. Et au XVIIIe siècle, attention, mélancolique, c'est pas drôle. Il parle avant de miserable, hein. C'est la misère. Alors, entre les quatre stades et les trois états, il n'y a pas automatiquement, ou même logiquement, d'équivalence, hein, encore que on puisse difficilement imaginer le premier stade comme autrement que morne, étant donné la manière dont Smith en parle, mais à l'inverse, il ne fait aucun doute que le dernier stade doit par sa nature même être progressif. Hein. Il est fait pour être progressif, que l'on ait ou non les conditions nécessaires pour garantir éternellement cette progression. Je dirais donc que le stade final, c'est le pari de la croissance. Hein. C'est le contraire du livre de M. Latouche. Alors, est-ce que j'ai encore un moment ? Êtes-vous épuisé ? Ce qu'il y a d'extraordinaire, et je n'irai pas jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas, c'est que les fondateurs de l'économie libérale, Smith et Turgot, au milieu du XVIIIe siècle, aient fait ce pari visionnaire. Et c'est un pari visionnaire, le pari de la croissance, hein, sans avoir, il me semble, la moindre idée de comment ce pari allait réussir. Pour nous, 250 ans plus tard, 260, oui, il est devenu tout à fait évident que le développement du capitalisme moderne, son, l'extraordinaire croissance qu'il a permis, et il n'est pas question de ne pas reconnaître ce fait, n'aurait jamais pu se produire sans la révolution industrielle et énergétique des deux derniers siècles. Oui, au point que nous avons du mal à distinguer l'une de l'autre, le capitalisme de la révolution industrielle, technologique, énergétique. Hein. Si nous remontons à l'époque d'Adam Smith et Turgot, la question est de savoir s'ils pouvaient même en avoir la prémonition. Oui, et certainement, l'un et l'autre, Smith en Écosse, proche des proto-industriels de son époque, des start-up, on pourrait dire de Glasgow, bien sûr, Turgot, intendant de la province de Limoges, plus tard ministre de ce qu'on appellerait des finances, qui fait la promotion des manufactures, était aussi proche que possible des progrès pré-industriels de leur époque. Hein. Mais les manufactures ne sont pas des usines. La force motrice était encore presque entièrement, milieu du XVIIIe siècle, humaine ou animale, c'est-à-dire traditionnellement renouvelable, c'est ce que nous disons aujourd'hui, hein. L'énergie de l'eau et du vent, il y a 200 ans, c'est à peu près toutes les seules forces qu'on avait. Alors, pour être juste, les avis sont quelque peu partagés. Il y a des avis contraires aux miens sur
Est-ce que sur la prescience d'Adam Smith, est-ce qu'il a vu venir, est-ce qu'il n'avait pas vu venir? Il me semble, au regard à la lecture des textes, qu'il n'avait rien vu venir de l'extraordinaire explosion productrice qu'allait permettre dans le monde occidental d'abord, pendant longtemps, puisque c'est le privilège de l'Occident jusqu'au moins au milieu du... pas tout à fait au milieu du XXe siècle, mais enfin, depuis à presque l'ensemble du monde, l'explosion extraordinaire qu'allait permettre cette combinaison de la technologie, de l'industrie et du capitalisme. Une telle transformation était inconcevable, je dirais inimaginable, même parmi les visionnaires, les personnes les plus visionnaires des Lumières. Et alors, encore moins, pouvait-il imaginer que la capacité productrice humaine qu'ils avaient contribué à libérer arriverait un jour à buter contre les limites de la planète, à mettre en péril l'équilibre du monde, et surtout, ce que nous commençons à peine, tout juste, de comprendre nous-mêmes, oui, à une époque où on commençait tout juste à utiliser le charbon comme source d'énergie, jamais il n'aurait pu imaginer que 300 ans plus tard, on peut discuter de l'échéance, oui, on serait parvenu à épuiser toutes les ressources, toutes les réserves d'énergie fossiles accumulées depuis les origines de la Terre. Car c'est évidemment cette orgie énergétique qui nous a permis, oui, de réussir jusque maintenant le pari de la croissance qu'ils avaient engagé, encore une fois, sans avoir la moindre idée de ce qui allait permettre sa réussite. Je crois que la plus grande difficulté pour nous, c'est la défamiliarisation que je proposais au début, et de nous rendre compte de combien différent le monde apparaît, d'un côté comme de l'autre, avant comme après. Alors, je suggérerais avant EF, avant l'ère fossile, oui, quand le monde vivait encore dans les limites des flux naturels en temps réel, c'est ce que ça veut dire, les énergies renouvelables, et après EF, ce que nous pouvons, nous devons commencer à considérer comme l'après-fossile, c'est-à-dire le retour des limites. Alors, il est évident que de ce côté-ci, pour confronter le nouveau défi qui est aujourd'hui le nôtre, je n'ai pas plus d'expertise ni d'autorité que chacun d'entre vous. Ce que je peux, par contre, affirmer, avec une certaine conviction, depuis ma perspective de 18e-iste, c'est que la vision, la conception du stade final dont nous avons hérité est fondamentalement incompatible. Elle est en conflit direct avec la reconnaissance ou l'acceptation de limites. Précisément parce que ce stade, ce dernier stade, ce stade final, est foncièrement conçu comme leur transcendance, comme la transcendance des limites. Autrement dit, c'est le contemporain qui parle maintenant, le modèle de croissance indéfinie, qui est toujours celui de l'économie libérale, celui de notre économie tout court, est fondamentalement incompatible avec la vie dans un monde limité. Le retour des limites nous force, c'est une exigence et une opportunité, à repenser le stade final. Voilà où j'en suis. Les quelques pages qui suivent ne seraient que des pistes pour la réflexion qui s'ensuit. Et vous allez me dire, mais c'est là que ça commence, ou c'est là que les difficultés se posent, et je veux bien tout à fait m'engager dans un échange à son propos-là. Mais il me semble que nous sommes arrivés... C'est bien ça ? Où est le hein ? Alors, c'est... Donc voilà, si vous voulez bien... Je crois que c'est la tradition ici qu'on puisse poser des questions, me descendre en flammes, etc.
Et une chose que je peux dire juste comme en point, c'est que donc je vis aux États-Unis, hein, et donc c'est bizarre parce que je suis quand même un peu français, mais je peux moins facilement dire ce qu'il en est ici. Il me semble, je crois, qu'on parle quand même plus sérieusement de cette question de la décroissance, de la nécessité de la décroissance. Ici, bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des... Je pourrais vous citer un certain nombre de penseurs, de théoriciens, d'activistes américains sérieux qui sont des gens très bien et qui essayent d'avancer cette idée. Bon, Herman Daly, qui est un disciple de Georgescu Rogan, je ne sais même pas comment prononcer le nom, mais un certain nombre de... Je parle des gens sérieux. Hein. Mais dans le discours dominant, oui, de droite comme de gauche, hein, l'entreprise aux États-Unis est une entreprise de dénégation du conflit dont je veux parler. Hein, qu'il y ait un conflit. Encore une fois, c'est compliqué parce que le conflit n'est pas précisément, ni même vaguement, entre croissance, c'est-à-dire la mesure de l'augmentation du PIB, oui, et dégâts ou impact sur la planète. Oui, il faut pour ça d'autres indices qui existent, qu'on connaît. Mais dans tous les cas, ce que j'observe aux États-Unis, et c'est très spectaculaire, c'est une tentative de refus, de dénégation, de non-reconnaissance de ce conflit. Hein. Et donc, ce sera la dernière chose que je vais dire. Parmi les concepts utilisés, le dernier à la mode, alors on a parlé de développement durable, oui, c'est ça, sustainable development, hein, développement soutenable en anglais, développement durable. C'est déjà un euphémisme, mais c'est défendable. Hein, faut être honnête. Mais la formule triomphante en ce moment, c'est green growth. Oui, la croissance verte. Là, on est dans l'oxymore. Hein, c'est-à-dire une formule de rhétorique qui cherche précisément à transcender, à déguiser, à cacher qu'il y a un conflit entre green et growth, entre croissance et un monde soutenable. Mais si j'allais plus loin, je suis le premier à reconnaître que ces questions sont très difficiles, très complexes, et en plus qu'il ne faut jamais sous-estimer la créativité du capitalisme. Oui. La fameuse destruction créative de M. Schumpeter pourrait être une créativité restauratrice. Voilà.